Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA Online pour faire part d'un glitch d'RP illimité en solo. Donc déjà, je vais le dire dès le début de la vidéo, avec cette astuce, vous allez gagner de l'RP, certes, mais vous allez pas gagner énormément d'RP. Bon, vous allez quand même en gagner pas mal, mais ne pensez pas que vous allez gagner genre 5000 RP toutes les minutes, etc. Pas du tout, hein. C'est une astuce, une petite astuce, un petit glitch qui vous permettra tout simplement de vous faire un peu d'RP pour les petits niveaux. Après, pour les grands niveaux, je vous conseille tout simplement de faire des missions. Donc, pour réaliser ce petit glitch qui m'a été proposé par un abonné, je vous fais une petite dédicace d'ailleurs. Vous allez tout simplement vous rendre à la base militaire. Une fois à la base militaire, vous allez tout simplement descendre de votre moto. Donc je vous conseille de prendre une moto, mais avec une voiture ça fonctionne exactement pareil. Mais je vous conseille de prendre une moto. Et une fois que vous êtes descendu de votre moto, vous allez tout simplement tuer le militaire qui se trouve devant la porte de la base militaire. Et une fois que celui-ci est tué, vous allez tout simplement partir exactement au même endroit que moi, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans ce petit trou, et quand vous serez dans ce petit trou, les flics ne vous retrouveront jamais, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à attendre que les étoiles disparaissent, et vous allez vous faire un petit peu d'argent. Donc comme je l'ai dit, vous n'allez pas gagner énormément d'RP, mais c'est pas mal pour les petits niveaux, ou les personnes qui se sont fait bannir, ou les personnes qui se sont fait rétrograder, pour pouvoir reprendre un peu de niveau assez rapidement. Après, dans tous les cas, les meilleures solutions, c'est toujours de faire les missions, mais pour ceux qui ne peuvent pas et qui n'ont pas le niveau pour faire les missions et qui n'ont pas d'amis pour les faire, je vous conseille de faire cette petite méthode qui est assez rapide et qui vous fait gagner pas mal d'RP. Donc moi je suis niveau 196, donc c'est normal que je ne gagne pas énormément d'RP, que je ne monte pas très rapidement. Mais une fois que vous avez semé les flics, vous n'avez plus qu'à recommencer ce petit glitch et vous allez voir que vous allez monter très très rapidement en XP. Donc du coup, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like et pourquoi pas un petit partage. Ça me ferait énormément plaisir. Donc je vais éviter de placer la bombe collante ici. Je vais me faire dégommer. Hop. Voilà, donc vous voyez que j'ai une étoile. Vous prenez votre arme et vous tuez le militaire afin d'avoir 3 étoiles. Et comme ça, c'est beaucoup mieux. Et une fois que vous avez 3 étoiles, vous n'avez plus qu'à retourner à cet endroit là et vous allez vous faire de l'XP. Donc en attendant, moi je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Facebook personnel. Donc il me reste moins de 100 places dans ma liste d'amis, donc vous dépêchez-vous de m'ajouter pour ceux qui ne m'auraient pas ajouté. Et du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez vraiment un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tout ça très très bientôt. Allez, ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.